Papa, maman, pe bana ya mboka ya Congo, j'espère que bon malamu awe ezali seulement flash pour nous informer bino ba situation ya mboka na biso Congo. Na mokolo ya lelo tozali le 5 décembre 2020, Hippolyte Kanambe alias Kabila il fallait akende na Lubumbashi. Mais na zeko yebisa bino na minute yo akende ki Lubumbashi te pour ba boyaki amata na avion pe ba boyaki atterrissage ya avion na kati ya Lubumbashi lelo. Makambo bokumona baola kisa video balaksi bino ke ayaki na Lubumbashi bato bayambi eza makambo lokuta ezali wana ezali ba image ya kala ezali ba archive ya ba image ya kala donc bolanda te ayaki te pour peuple alingi ete asake ya zain exil pe akozonga lisusu te God save Congo and people thereof. Chef-lieu de la province du Haut-Katanga est déjà en haleine depuis l'annonce de l'arrivée de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La soif de revoir le fils de Laurent Désiré Kabila dans son Katanga natal est plus que perceptible parmi les hommes, femmes et jeunes. Beaucoup considèrent Kabila Joseph comme leur fierté et leur source d'inspiration. C'est pourquoi ils ne se lassent pas de l'attendre. Selon le comité organisateur, c'est ce samedi 5 décembre, que l'unique ancien chef de l'État vivant de la RDC va fouler le sol de la région cuprifère. Des milliers de Katangais se sentent honorés par son passage remarquable à la tête du pays. Un règne marqué par la révision du code minier ayant permis aux entités territoriales décentralisées, surtout du Katanga, de bénéficier directement des richesses de leur sous-sol. Joseph Kabila Kabange aura un temps suffisant des vacances sur la terre de ses ancêtres. Selon Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, l'arrivée du sénateur à vie était retardée de suite de son agenda, qui était très chargé avec les audiences accordées aux différentes personnalités du pays et de l'extérieur au vu de la situation politique préoccupante. On est ensemble. Na ville qui est moyen.